forcément se démarquer ce soir. Donc, bon match, mesdames et messieurs. Je te laisse décrire le tout, Kevin. OK, Boudreau. C'est remettre vers Ince. Ça touche un bâton des 3L. C'est récupéré par Ince. Morissette tire. On est libre. Derrière le filet, c'est récupéré par Ince. Guillon descend à 2 contre 1. Guillon, toujours avec le 10. Belle feinte, conserve. Du revers. Tente de jouer des rosiers. Ça ne fonctionne pas. Soit Tedford et Saint-Georges. Blanchet avec de sa vitesse. Remet le 10. Tire. L'arrêt du gardien. La rondelle revient mal loin. Revient Blanchet de l'autre côté. Dévie. C'est l'arrêt. Meilleur marqueur. Parce que c'est Benjamin Lagarde qui domine avec 18. Filet, je là, mise en échec solide de Nick Malouin. Égalité avec. Oh, quelle feinte de Paquin Boudreau. La rondelle est soulevée. Touche là. Le poteau. Des 3L et Boivin va être là pour récupérer. 45 secondes à la pénalité du Bervier. Du Rocher récupère. Tire. L'arrêt du gardien. Protection. Son coup de pied qui était Guillon à Pomerleau. Il va donner un tir par-dessus le filet. Ça revient de l'autre côté. Guillon marque. Quel but de Maxime Guillon là, qui a vraiment récupéré le retour. Il avait frappé la bibitrée derrière le gardien. Attention là. J'ai eu Malouin et Koseki qui ont maille à partir. Mais quel but de Maxime Guillon. Heinz à nouveau à Paquin Boudreau. Paquin Boudreau installé. Remet à Bilodeau. On remet à Paquin Boudreau à contresens. André Audeau qui prend son temps. Remet de l'autre côté. Heinz tire le but. Olivier Heinz qui crée l'égalité. Donc, on l'a eu, ce but en avantage numérique du côté des Éperviers. Avec Blanchet. Ça revient à Marcotte. Marcotte s'amène chez les Éperviers avec Gagnon qui fonce au filet. On met de l'autre côté à Saint-Cyr. Tire de Saint-Cyr, le but! Quel but de Maxime Saint-Cyr! Donc, le premier marqueur de la Ligue nord-américaine qui fait des siennes à nouveau. Et on voit un combat entre Gabi Rock et Guillaume Morin. On s'en pointe, Guillaume Morin là, qui a connu des bons moments dans les derniers temps avec un combat face à Davemel. Et là, ça frappe à qui mieux mieux des deux côtés. On tente de se coller. Là. On a vraiment la droite libérée du côté de Morin. On essaie de droite, excusez-moi. Et Morin qui réplique avec des gauches. Et c'est reparti. Et là, on met un genou à terre. Le combat qui se termine. Donc, solide performance des deux gaillards. Contre-attaque des 3L. Ça donne un revirement à 2 contre 1. On revient Baudouin avec Mathieu. Tire Mathieu dans la mitaine de Desrosiers qui conserve et Mathieu qui chute lourdement. Là. Malouin laisse pour Villard. On ramène vers Malouin. Malouin qui est frappé solidement, frappé là, solidement par Gagnon. Par derrière et les deux joueurs qui... Du côté de Pomerleau. Pomerleau. De l'autre côté, des tourneaux. Des tourneaux. Amène l'ondelle devant et Koulchiki qui vient battre Desrosiers. Un deuxième but en avantage numérique. Donc, les 3L, quel jeu de Wayne Letourneau là, qui a tout fait. Envoie la rondelle derrière Desrosiers. Desrosiers. Envoie le long de la rampe, c'est récupéré par les 3L. On ramène devant, tirer le but! Maxime Saint-Cyr qui marque son deuxième. Maxime Saint-Cyr avec un autre but et un des rares mauvais revirements de Philippe Desrosiers. On ramène de Boivin là, en direction de son coéquipier qui était Lalonde. Lalonde remet de côté. Et tir qui surprend. Et le but! On l'a pas vu rentrer du tout sur la séquence, donc... Je pense que ça va aller à l'affiche de Christophe Lalonde, si je ne m'abuse, donc... Mathieu, ça mène sur les éperviers en main à Guillon. Guillon, on tire bien le disque, il va d'un tir, l'arrêt Jelina! Qui est vraiment venu voler Guillon, là, sur un tir qui... Du Rocher, amène à Wicked, haut dans la clave. Wicked, il va d'une belle feinte. Wicked, fin de tir, ça fend l'air là-dessus, Drolet vient récupérer, mais Wicked va aller saisir le disque. Il la ramène de l'autre côté, tire le but! Quel but de Jeffrey Durocher là-dessus. Et il marque un quatrième face aux 3L cette saison. Donc vraiment, Durocher a du succès face aux... Trop vive et Wimek réussit pas à la conserver. Il a dû faire vite. Et là, Saint-Cyr qui vient lui tirer 10. Saint-Cyr tire l'arrêt de Gélina. Pomerleau envoie à fond de territoire. C'est récupéré à nouveau par Lalonde. Lalonde envoie de l'autre côté. Tire Pelletier, début. Rangé qui marque. Donc on a bourdonné du côté des 3L en zone des éperviers. Rangé qui récolte un troisième point ce soir. Tente de créer quelque chose, David. Rock qui est retenu à deux mains par le juge de ligne, Alexandre Rangé. Rangé qui était là, la mêlée là, qui va éclater. On est impliqué. Là, c'est Wayne Letourneau également. Là, Jerry Malouin qui a lâché sa réussir à s'en prendre à Wayne Letourneau. Et là, Tristan Pomerleau et Danick Malouin. On n'a pas nos gants du côté de Danick Malouin. Là, on a deux joueurs dans les mains du côté de Danick Malouin. À nouveau Boivin. On ramène vers Gagnon. À Saint-Cyr, près du filet. Saint-Cyr dans la barrière. Ça déjoue le gardien. Est-ce que Saint-Cyr a son troisième? Ça a dévié devant le filet. Je pense pas que ça l'a touché Simon Desmarais. Je crois bien que ça serait bien et bien le troisième but de Maxime Saint-Cyr. 10, 45 secondes à la pénalité aux éperviers. On ramène dans le coin de patinoire. C'est Crevier-Morin. Le long de la rampe. L'abbé récupère. L'abbé. On ramène en haut du filet. Tire de Denis. Le but. Il restera 1-13 à la période au match avec les 3L qui marque un huitième but ce soir.
On va travailler très fort dans le cas de Sorel. David, et c'est simple. Là, on a le coup FM qui s'amène à Sorel Tracy la semaine prochaine. Les Troyes, de notre côté, bien, on va affronter également la semaine prochaine. On est en congé demain soir également de notre côté. Donc, on affronte les Marquis au Centre Premier Tech vendredi soir prochain. Donc, deux matchs pour les deux.